Bonjour à tous et à toutes, je suis aussi bienvenue pour le deuxième procès de l'épisode 3 de Ice Attorney Apollo Justice, l'œil de la vérité comme j'aime beaucoup l'appeler. La dernière fois, nous avons donc enquêté un peu plus sur ce mystère mystérieux, la Mirror, Thomas Cash-Cash, le Roux, Interpol, Dorian et sa coupe phallique qui ont été entendus par la Mirror, qui en fait était aveugle mais pas sourde, au contraire de Thomas, bref, des choses et d'autres. Nous avons entre autres découvert la connaissance de Monsieur Virgile Grimoire, grand illusionniste de la troupe Grimoire, qui aurait donc participé à l'illusion, la Mirror qui disparaît, qui réapparaît de l'autre côté de la scène. Nous avons aussi appris l'existence d'un objet, un cocon de verre qui, semble-t-il, guérirait une maladie extrêmement rare qui s'appelle l'acuracie, comme vient de l'expliquer notre cher Justice. Et toute personne s'exposant à la contrebande de cette chose, eh bien, serait contraint à la peine de mort, ce qui serait le cas de Thomas Cash-Cash, peut-être. Je dis bien peut-être, est-il lié à une contrebande de cet objet? Qui suis-je? Que sais-je? Que s'est-il passé? La Mirror a-t-elle été frappée par une personne qui est-il Darian? Je mets
Je mets pour l'instant tous mes efforts, toutes mes suppositions sur Darion parce que c'est le chemin le plus clair et le plus simple que le jeu me propose en ce moment. Nous allons voir cela durant cette affaire qui commence plus tard que prévu. Et avant toute chose, nous allons regarder le journal, la coupure du journal que nous avons eue sur le président, le barreau, syndrome de l'incuratis. Incuratis, premier cas dans le pays. Cette maladie existe-t-elle vraiment? Je ne sais pas. Si jamais vous êtes au courant, merci de laisser un commentaire. On voit un graphique des vrais journalistes. Hein, les courbes hein, de deux couleurs, parce qu'une couleur, tu vois, ça fait pas assez pro. Une belle photo d'un hôpital chopé sans doute sur internet. Est-ce que cela est lié à notre affaire? Spoiler, peut-être. Donc je suis en retard. Oui, Thomas Cache-Cache, et ouais, le petit suspect Thomas Cache-Cache qui serait lié à la contrebande. La défense, l'accusation. On va y aller. Et oui, ce... Ah, la sympathie. C'est une maladie. Ah, aucun remède. Wink wink, clin d'œil. Bon, vous le voyez pas, mais je ferai un clin d'œil. Si on fait la loi, et oui. Dorg, et voilà, c'est Dorg, incroyable, qui était là, magnifique coupe phallique. Je tiens toujours à dire que cet homme a un problème. Je ne sais pas où, mais il a un problème. Oui, alors là, on repasse la scène d'il y a deux épisodes. Qui l'aurait cru? Ah là là. Un agent d'Interpol qui parle avec un autre agent d'Interpol, c'est... c'est... Fou, incroyable. Je ne sais pas, là. Je suis stupéfait. Exactement. Ah bon? Nouveau, ça. Ah oui, Monsieur Darion était sur la scène. Hein? Et oui. Il était sur la scène, ce qui explique que il est intouchable. Je continue de frapper sur la table. Enfin, petite table. Les Kevinors, et oui. Alors, je ne vois pas le batteur, je ne vois pas le bassiste. Je ne l'ai jamais vu. La vidéo là, elle est nulle. Et quand soudain ça fait pan. Bah oui. Mais elle est aveugle. Elle a surtout entendu. Et oui. Elle grattait comme malade sur sa magnifique guitare. Oui, sûrement. Eh bien, je ne peux rien faire pour nous. Je ne sais pas quoi. D'ailleurs, j'en profite maintenant pour faire une petite auto-promo. À l'heure actuelle, je dirais... Attends, j'essaie de me souvenir à peu près quand va sortir cette vidéo. Je dirais qu'elle va sortir fin septembre, si je gère bien. Donc, il y a 3 semaines, sur Dailymotion, vous savez, cette fameuse plateforme française où tout le monde dit « Ah, c'est de la merde, un jour on ira tous sur Dailymotion », et bien sur, sur une chaîne que j'ai créée pour l'occasion, j'ai mis un épisode du jour où tout a basculé à l'audience, hein, un format de vidéo qui ressemble au jour où tout a basculé, mais de manière tragique. Hein. Je vous dis ça pendant que j'en ai rien à faire de ce qui a été dit dans l'épisode précédent, parce que... Là, je m'en souviens encore. Sauf que j'ai un peu recuté l'épisode dans son... Pas dans son intégralité, mais j'ai viré certains passages. Et j'ai mis des musiques de Phoenix Wright et Ace Attorney, le premier volet.
avec des bruitages aussi, pour rendre le tout un petit peu plus crédible, un peu plus drôle et mieux, surtout. Et ça m'a beaucoup amusé, et je pense que je vais continuer pour sans doute les 30 épisodes que comporte cette magnifique série incroyable de la cafétéria, conceptaria même. Donc il y aura une petite fiche, si j'y pense, qui va se mettre maintenant. Et voilà, sur ce, continuons. Ah, c'était cache-cache. Ouais. Moi aussi, oui, s'il vous plaît. Oui, parce que cache-cache. Hein. Si, parce qu'on a un traducteur vivant toi. Tant, mes caravelas sont de vieux dents. Interprète. Yes. Oui. Ah ah. C'est pour dire qu'ils sont pas orthodoxes. À moins que tu viennes. Vas-y. Amène donc un interprète directement de là où elle est. De là où elle... Bref, tu m'as compris. Oui. Oh, c'est beau. Deux personnes. Bizarrement, on voit qu'ils sont pas sur le même plan. Ce qui est chaud. Mais on voit aussi, à cause de la différence de lumière, j'y crois pas trop. J'y crois vraiment pas trop. Cache-cache, accusé, oui. Waouh. Oui. Idiot. Ah. Évidemment. Oui, c'est pour le dire qu'il a quelque chose à déclarer. Incroyable, j'ai niqué ma tasse. Merde, la douche. Voilà. Alors ça, par contre, ça va être très très long. Ça va vite m'ennuyer. Oui. Quoi? Comment? Que quoi? Je dois dire que le silence là, c'est pas moi qui enlève la musique. Oui. La preuve de son innocence. Mais quelle révélation. Des révélations révélateurs. Et oui. Ouais. Non, ça fait que 13 minutes que ça a commencé. Témoigner. Oui. Vite. Merci. On avance. Alors. Oui. Ouais. Ah. Ouais. D'accord. Quoi? Oui, je sais. Oh, calme-toi, Gabin. Merci, mon entraîneur. Et ben, on va y aller parce que je ne sais pas. Ah bah oui. Eh, utilise le bracelet. Yes. Allez, on utilise le bracelet. Alors, essayons de procéder logiquement. Logiquement. Alors, ça non. Ça non. Non plus. Ça par contre. C'est un peu facile, madame la juge. C'est long. À la guerre. Ouais. Thank you.
pas suivi. Je suis certain. Je suis pas certain de... Non. Je suis pas certain. Il y a quelque chose qui va pas, je suis... Non. Oh, je vois tes yeux. Où est-ce que tu pourrais avoir un tic là? Attends. Attends de nouveau. Je l'ai là. Dis donc, c'est quoi cet œil gauche? Il est étrange cet œil gauche. Hein? Tu trouves pas que cet œil gauche, il est bizarre? Vas-y. Pourquoi? Révélation de violent, je sais. N'est-ce pas? Il se fout de moi en plus, le gamin. Waouh! Mais sérieusement? Bon. Bon. Mais non, mais si, c'est ça. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Ah, évidemment, c'est son monnaie. Incroyable, n'est-ce pas? Ouais. Ah ah! Chef! Pan! Allez, allez, parle! Oh! Quel dommage. Tristesse. Allez, parle, vas-y, c'est le moment. Non mais... Faux. Voilà. Allez, parle. Oh là là. Oh là là, non mais ça se... Bon, elle essaye clairement de protéger, donc... Elle ne m'aide pas, je mets un coup dans le micro. La miroir... Arrête! Oui. Pff, oh, mais sérieusement? Quel hasard! Ah, cet hasard hasardeux. Oh, c'est fou. Ah là là. Incroyable. Ah mais pas du tout. Ah mais je vais continuer. Allez, deuxième essai. Tu mens complètement. Et cette fois, c'est toi qui mens. Alors, où est-ce que tu mens?
passer par là? Où est-ce que tu mens? Où est-ce que tu mens? Oh. Non. Allez. C'est toi qui mens. C'est toi qui mens, je le sais. C'est là que tu mens. C'est là que tu mens. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais je... Enfin, je... Enfin, c'est fou ça, je me demande bien qui tu essayes de protéger. C'est... Ah, c'est une vraie question, là, je... Enfin, je... Ah, je ne sais pas, dis donc. Ah, c'est... Difficile comme question. Oh là là. Allez, à vous. À vous. C'est le moment. Allez, à vous. Allez, à vous. Allez, fais pas l'enfant. MDR. Allez. Allez, dis-le que tu comprends le français, dis quelque chose. Et ben voilà, tu vois, ça c'est français. C'est pas mal. C'est un début. Bon, erg, ça veut rien dire, mais c'est français. Et là, des révélations. Ça alors ! Oh, je suis choqué, retournement de situation, pas de twist, tout ce qui va. Je suis très surpris, tu joues vachement bien la surprise. Bon, il a fait des fautes, mais pas français. D'accord. Tout de suite, là maintenant il est calme. Je suis... Oui. Oui. Sûrement. Ah! Donc, est-ce qu'il aurait vu le tireur? Non, pas du tout. Il n'a pas avoué avoir tiré. Il a dit qu'il était présent. Objection. Déjà par terre. Arrête de frapper derrière toi. Mais sérieusement. S'il tombe dans les pommes, c'est marrant. Allez, réfléchis bien. Bah oui. Ça fait un peu un moment que je l'ai. Et j'aimerais savoir pourquoi. Et là ils se sont engueulés, je pense. Ah non, ils refusent de le dire, c'est vrai. Ah, non mais très bien, super. Non mais génial. Incroyable, témoin. Merci beaucoup témoin. Utilité, zéro. Ah d'accord. Ouais. Ok. Super. Génial. Pouce bleu si t'es d'accord. T'as 50 minutes dans le jeu, ça dure longtemps dis donc. Juste Yostis, ouais, exactement. Bon, c'est déjà pas mal hein. Oui. Si tu le dis.
Sûrement que je pense que c'est un piège. Oui. Oui. Ok. Ça veut dire qu'on t'a visé? Ça expliquera les deux impacts de balles. Putain, qui a fait ce plan incroyable? Oh, c'est... Fou. C'est fou, ça. Non, quand même pas. Les magiciens... Eh ouais, les vraies magies! Eh ouais! Sorcellerie, t'as vu? RPZ Vergile? Ah, je ne sais pas où ça nous mène... Ah bah, beaucoup, beaucoup de mal. C'est pas très gentil, hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah oui, c'est vrai, le coupon. La peine de mort. Borgini. Putain, c'est le nom du pays que je cherchais tout à l'heure. La mort. Le décès. Ouais, quelqu'un d'autre comme... La Mirror. L'aile. Bah la Mirror, ce serait... Oui, ce serait bien, la Mirror. Qu'est-ce que tu en penses-tu? Alors... Oui. Oui. Il veut pas parler. Non. C'est-à-dire que... Il ne peut pas. Enfin, il est... Il est sous menace de décès... imminent. Lol. Et oui, on le sait tous. On le sait tous, hein? Oui. Objection. Qu'est-ce qu'il y a, Gavin, t'es jamais content. À quoi vous jouez? À l'avocat. Voilà. Donc, tu te chutes, hein? Agressé, oui. La mort. Ah, tu ne le sais. Tu ne savais pas, Gavin. Ah, quel piètre procureur tu fais. Oui. Hein? Vas-y, pourquoi? Vas-y, donne-nous une raison. Oui, je... Quoi là, mais qui? Ah là là, c'est le tueur. Sûrement. Sûrement. Ouais, ça va. Allez. Non, tu crois? Oui, allez, elle vient. Bon, alors, tu es choqué ou tu es choqué déçu? Bah non, en fait...
Allez, la Mirror. Dis-moi un truc que je ne sais pas. S'il te plaît. Ok. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Ça a pas trop bougé. J'ai pas fini. Attention. Ça veut dire que quelque part son ce qu'elle a dit contient une information. Oui quoi. Ah ouais. Moi j'étais cool. J'étais cool. Ok. C'est parti. Avec une attitude cool. Relax. Avec un bon gros pet. Ne faites pas ça, les enfants. Alors, oui. D'accord, mais alors ça m'intéresse, tu vois. C'est impossible. Il était sur la scène. Oui. Genre, de quoi parlait-il? Parce que ça peut être intéressant. Il a l'air dubitatif. Hein. C'est pas mal. D'accord. Bah ça se tient. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors si jamais elle dit je vais te tuer, merci beaucoup, ça n'aide pas. Attention, révélation. Hein? En effet. J'en sais rien. Eh ben... Non, je suis idiot. Je sais de quoi ça parle. Non, c'est pas la bonne flèche. Ça, évidemment, le déclencheur qu'on a retrouvé sur la scène. Je pensais qu'on l'a retrouvé sur... Je suis sûr que c'est ça, ma main coupée que c'est ça. Et ouais, c'était ça. Et ouais. Oh non, la musique, ne grésille pas. C'est pas le moment. Oh non, la musique grésille, c'est un problème. Oui. Sûrement. Je demande une analyse des empreintes. LOL. Ah bon? Et pourquoi? Non, la musique, arrête de grésiller. Parce que j'ai un truc qu'il m'était très difficile de prendre alors que c'était sous mes yeux depuis genre le début. Tu connais cette oreillette que tout le monde doit avoir et qui en même temps a une portée de 10 mètres, ce qui est largement suffisant. Hein,
Je pense que tu dois connaître. C'est... C'est une technologie. C'est un téléphone presque portatif. La communication, exactement. Oui, allez gamin. Allez gamin. Yes. Oui. Allez. Objection. Comment ça? Arrête de frapper derrière toi. Oui. Oui. Exactement. Voilà. Regarde, je vais dessiner un rond. Voilà. Non, je dessine un rond. Bon, c'est un... Ah, fausse note. Ah, oh, mais dis donc. Incroyable. Ah. Ah. Bien joué, Jambi. Ah, alors ça, tu vas voir. Alors ça, tu vas voir, c'est marrant. Parce que je sais. Hein, c'est fou, ça. J'essaye de réfléchir en même temps. De me dire, attends, quel est le retournement? Oh, j'ai une idée. Oh, j'allais avoir une idée, tiens. Et si le tous était dans la loge, Dorian était sur scène, il a dit d'activer l'amorceur, ça a un activé. Non. J'arrive. Le déclencheur. Le tout s'est activé, le déclencheur. Ça a activé l'amorceur de la guitare. Et en même temps. En même temps. Peut-être que ça a activé le deuxième amorceur. Qui a dû, je pense. Avec un autre moyen. Utiliser le pistolet. Pour tirer sur le tous. C'est ultra compliqué. Mais je pense que. Ça pourrait être ça. Presque. Ça serait bête, hein. Attention à la magie. Waouh. Allez, réfléchis. Réfléchis. Et... Bien joué. Bien joué, gamin. Très fort. Très perspicace. Pouce bleu. Attention, 3, 2, 1 et paf, ça brûle. C'était un détournement d'attention. Et oui, on est attiré par les flammes et pas par la miroir qui s'envole. Technique de magicien. Vous connaissez vers le grimoire, je pense. MDR, ça s'appelle la qualité du bois. Ah mais complètement. Ah mais ouais. Ah mais tout à fait. Tant que perspicace, hein. Vraiment pas mal. Oui, et monsieur le tous avait l'interrupteur. Je pense, hein, attention. Oui, mais quoi donc? Ah ah! Mais qu'est-ce que c'est? Objection! Oh non! Une objection! C'est pas très gentil. Qu'est-ce qui se passe?
Censé. Ah, il y a eu tort. C'est pas mal de le reconnaître déjà. Oui. Oui. C'est vrai. C'est totalement vrai. Et donc ? En effet. Mais je suis pas d'accord, attention. Je suis jamais d'accord avec toi, le mec. Ah, parfait. Je me pose la vraie question. Pendant que la musique rame du cul, est-ce que ça va grésiller? Oui, ça grésille. Parfait. Ça grésille moins. Faudrait que je règle ce problème de musique, c'est chiant. Comme pas possible. Oui. Et un son après, paf, le feu. Ah, fausse note, t'as raté. Ça me paraît évident tout ça. Ah bon? Oui. Oh, la balle est censée arriver après le... La balle... Ouais. Ah bon? Là, je découvre un truc. Ouais, ah, complètement. Ah bah bien. C'est bien, gamin, tu commences à le comprendre, je pense. Je pense, attention, j'ai pas dit que tu comprenais tout. Regarde, même le public semble choqué de cette révélation. Ouais, par contre, cette musique qui grésille, je veux vraiment que je fasse un truc avec les réglages. En effet. Ça fait beaucoup peu. Ça fait très peu même. Je ne sais pas, écoute. Hein.
Quoique. Attends, je réfléchis. Peut-être qu'elle était ailleurs, hein, parce qu'elle a disparu à un moment. Ouais, je penche là-dessus. Ouais. J'ai encore donné un coup de micro, c'est incroyable. Ah merci. Incrédule, je t'emmerde. Hein. Ah non, ça. Non. Il va falloir que je fasse un truc pour ce problème de son. Non, il va falloir que j'aille sur un forum. Oui, tout à fait, je... Ah, tu veux que je te le dise? Regarde bien, attention, c'est magique. Et non, et là, hop, là, tu vois, là, c'était une feinte, attention. C'est... Je vais viser avec la souris. C'est juste là. Et ouais. Et oui, en plus, hein. Ah mais t'es sérieux en plus? Oh. Non mais je sais ce que j'ai dit, t'en fous pas de ma gueule. Oh, incroyable. Bon, et c'est toujours pareil, il va falloir que j'aurai... Mais attends. C'est pas ça, hein? Il y avait une flèche, j'avais pas vu MDR. Excusez-moi, je suis un trou de blâle. Parce que je voudrais viser le petit. Je peux pas viser. Je peux pas viser. Attends, si je vise là. Non, là. Voilà. Ouais, ça a pas marché. Ça marche pas, n'est-ce pas? Eh, hey, je suis pas grand front, salaud. De quoi là? Ah là là, mais t'es idiot toi. Allez, Amir, tu le sais, wing wing, plein d'œil. Allez. Allez. Ah. Ah, troisième fausse note, attention mon petit gamin. Hein. C'était en fait... C'est vrai qu'en fait ta guitare, intérieure, bien sûr. Oui. Le fondu, d'accord, merci, le fondu. Ah bah les magiciens. Ah je ne peux pas le dire. C'est ça. D'un meurtre. Un meurtre de type meurtre, évidemment. Hein, évidemment. Allez. Allez. Oh, magnifique.
Quelle vue incroyable. Ah. Ah. Elle a juré de garder le secret. Exactement. Tout à fait, mon cher Cap. Mais tout à fait, mon cher. Je vais les courir vers elle. Bah oui. Et pourquoi? Et pourquoi? Je vais vous le dire à cause de la cassette. Souvenez-vous de cette cassette. Oui, bon, là, c'est extrêmement simple pour moi. Parce que oui, petite fenêtre, pas spectacle, je n'ai pas eu le temps de signer. Et pour ce qui est de l'imprésence, ça c'est moi, je vais pas me dire pourquoi. Parce que la cassette est un indice révélateur. Elle est où? Elle est là. Voilà. Ah oui, tu as disparu. Tu as fait magie disparition. La magie. Attention. Magie, la trappe. On l'a pas vue, mais elle était là. Et là, attention. Attention, ça va aller très vite. On va attirer le public dans 3, 2, 1, hop. On attire le regard du public. Le public voit le feu. Oh là là, on l'attire. Et pendant ce temps, la mirror. Attention, elle va arriver. La magie. Magie. Putain, je la vois maintenant. Je vois la trappe. Je la vois que maintenant. Mais quel idiot. Ah, idiot. Je ne vois que la trappe maintenant. Aveugle que je suis. Ah là là. Je joue super bien la comédie. Je tiens à souligner ceci. Je tiens à dire quand même qu'on a un truc pour lire les VHS dans l'enceinte de ce tribunal. Ça grésille encore un tout petit peu, mais moins qu'avant, j'ai l'impression. Ouais. Ah, c'est très léger, donc ça vient vraiment de mon ordinateur, donc je dois en faire avec. Oui, j'ai dévoilé un secret. Ah là là. Ouais, je sais. Alors, je te, hein. Ah, lui, il a compris. Ah oui, aussi. Oh là, ce incroyable, ces intermittents du spectacle. Attention, ah, ça va aller très vite. Attention, hop, la magie, la magie. Regarde, flashback. Oui. Ouais. Ah, ah, et bah voilà. Allez, Conrad, hey, allez, Conrad. Ah oui, aussi, oui, il a confondu le couloir et la trappe. Ah bah, il a dit ça, il parle bien français quand même. Tu ne sais rien, Gavin, tu es un piètre procureur. Ouais, arrête de frapper ce truc. Parce que les magiciens, ils se taisent. Hein, c'est super important. Eh bien, allez, dis-moi que j'ai raison. Aïe. Beaucoup dans le casque, ça fait mal. Ah d'accord. Bon, c'est un... Tu ne comprends rien. Attention. Et magie. T'as rien vu.
mais magie, t'as rien vu. Et en fait, on voit la trappe. C'est un F. Effectivement. D'accord, ok. Non, très bien. C'est sympathique, hein. Ah, c'est bon, hein. Je me débrouille. J'ai que ça à faire, me débrouiller. Incroyable. Ces témoins de nos jours qui savent pas coopérer. Décevant. Ouais. Deux minutes. Ouais. Quand même, deux minutes, c'est pas mal. Je vais envoyer mes preuves, déjà. Ouais, mais toi, tu fais des trucs discrets, voilà. Bon, alors déjà, deux minutes, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît un petit peu beaucoup. Beaucoup trop. Un petit peu beaucoup quand même, ouais. Ah, en courant. Eh ! Ah bah, on retient l'emplacement de tous les fils. Et ensuite, ça va être bien. Elle est valide, effectivement. Ah. Oui, évidemment. Comment se peut? Eh bien, je ne sais pas. Ah bah oui! Attends, j'ai peut-être un truc. Oui, attends, j'ai un truc parce que je l'ai depuis le début, mais ça sert à rien, la broche. Ça me percutait un peu. Ça me gênait un petit peu, tu vois, la broche. Bah parce qu'à ton avis, comment elle s'est retrouvée là? Hein? Réfléchis un peu. Attention, regarde bien. Hop, attention. Hop, on voit tout. On voit tout. Viens. Voilà. Là tu vois la broche. Là tu vois la broche. Attention, ça va aller très très vite. Hop, la broche. Là. Voilà, elle porte la broche. Regarde, cet arrêt sur image est incroyable. Je vais quand même aussi vérifier. Je vais faire un dernier test, vérifier pour le son. Je vais couper cette coquille et un petit claque. De toute façon, je coupe tout et puis personne verra. Personne ne verra. Voilà, go. Mais attention, ça va aller très vite. Là, elle réapparaît. Et attention, ça va aller vite. Paf, plus rien. Magie. Et on l'a pas, personne ne l'a vu, même moi je l'ai pas vu. C'est fou ça.
Ah, je me demande bien comment. Ah, je me demande. Ah, je... Incroyable. Incroyable. La révélation que personne n'avait pensé, même pas moi. Il y avait deux personnes. Wouh. Incroyable. Elles étaient deux. Quelle révélation! Ah, je le savais! Évidemment! Ouais, c'est ça, tais-toi, toi! Ah, Nel! Elle était remplacée! Hein, remplacée! Ah, le fameux grimoire, c'est pour ça qu'il était présent. Bravo. Je m'échappe. Je clappe. Comment? Ah, c'est une idée. C'est une idée, mais non. Ça m'étonnerait un peu beaucoup. Ah, tu t'es trompé. On joue en live. Yes! Merci, Capitaine Évidence. Allez, dis-nous comment. Ouais. Tu fais deux choses en même temps, tu es très, très forte. Ah, pas faux. Il y avait un haut-parleur, évidemment. Zut. Ingénieux et incroyable technologie. Ah, encore. J'avais deux ou trois fois. Oui. Je... Ah bon. Ah bon. Dans ma poche, je crois. Pourquoi? Oh non, pas encore une table de mixage. Non. Ok, premier mouvement. Ok. Deuxième mouvement. Hein? Mais oui! C'est ça, donc c'est accéléré. Je me disais que c'était un effet. Mais... Merde alors!
cette table de mixage est vraiment utile en fait. Là. Maintenant. Elle l'a dit qu'une fois. Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Incroyable. On en revient en fait au début de ce que je voulais dire. C'est chaud la vie. C'est vraiment chaud la vie. Fascinant. Vraiment. Incroyable Gavin. Vraiment, c'est même toi qui m'a demandé la table de mixage. Oui, le problème est qui est. Ah, merci. Je prends ça comme un compliment. Ah. Et donc. Mais. Et si elle mentait exemple. Oui, je sais, je m'en doute. Hein. Ah oui, on va interroger Torlion. Oui, il va témoigner de toute façon parce que j'ai pas envie de le laisser s'échapper, voyez-vous. Yes, la justice est en route. Ouais, petite pause parce que ça va faire une heure et quelques là. Au moins une heure et quelques. Ok. Le genre s'est levé. Yes. Cool. Cool, cool, cool. À suivre. C'était beaucoup mieux que le dernier épisode. Ouais, c'était beaucoup mieux que le dernier épisode. Alors, j'avoue que les éléments sur une vidéo, je ne les ai pas vus. La broche, je ne l'ai pas vue. La trappe, je ne l'ai pas vue. J'ai rien vu sur la vidéo. Le coup de la deuxième personne. Alors là, c'était le pompon sur le gâteau. Mais là, on tient Dorian. Normalement, c'est tout va bien. C'est tout va bien. Je tiens Dorian. Je sais à peu près ce qui s'est passé. Mais le coup du ouais, il y a un déclencheur pour deux amorces. J'y crois plus trop. Mais non, là je le sens bien. Je vous assure que je le sens bien. Bien, et donc du coup, la prochaine vidéo de ce jeu sera le dernier procès de l'épisode 3. Et j'espère que ça va être bien. Sur ce, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En espérant qu'elle vous ait plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Regardez un peu ce qu'il y a sur la chaîne si vous venez de débarquer. Et si le contenu vous plaît, à vous abonner pour ne pas rater la suite des vidéos. Il y a un Twitter où je suis présent. Merci à tous, bon jeu. Et à la prochaine pour la suite de Apollo Justice Ace Attorney, à l'œil de la vérité.